Il y a des sols qui sentent rien, comme celui-là, sauf l'un. Et normalement, ça doit sentir bon. On va l'appeler comment ici? C'est le jardin des merveilles. On met jardin des merveilles? Oui, émerveille comme émerveillé. Donc c'est dans cet état-là depuis combien de temps? Une semaine. Non, non, pas le trou. 40. Ça fait 40 ans que c'est comme ça. Logiquement, nous on est gestionnaire depuis 2011, donc on n'a pas beaucoup de recul. Mais le parc a été ouvert en 1975. Et depuis. Normalement, depuis 70, il n'y a plus d'activité industrielle sur le site. Et depuis 2011, vous tondez, c'est tout? Voilà. Là, le sol était très très compact à creuser là dans ce coin. Ah oui, là. C'est dur comme là, tout. Il y a un trou d'eau pour le campagnol. Ouais, là, c'est de la racine de résineux. Oui, il fait déjà presque du grès, quoi. On le tient comme ça parce qu'il est plus. Il n'est pas assez habité par les racines. Donc le sable, ça demande qu'à se refermer. C'est vraiment un sable siliceux, il n'est pas très intéressant au niveau du nutritif. Et pour information, l'allée s'appelle l'allée des sablons, juste derrière. L'allée des sablons, oui. Donc, c'est vraiment un sable de Kyoto. C'est pas du tout touché depuis 2070. Ouais. On n'a pas de matière organique. Il n'y a pas de formation. Ah oui, avec le sable, c'est un tas de sable, donc ça minéralise à toute allure. Les sols sableux, comme ça, c'est normal que les racines ne descendent pas. Ah non, non, normalement, on n'a pas de sable comme ça, ça devrait descendre. On devrait avoir un rideau de 1 mètre. Ah oui. Là, elle peine, là, apparemment, elle peine. Les plantes ne sont pas très, très heureuses de ça. Là, on a rapporté ça. Hein. Combien, ouais. Ça, ça a été rapporté. On est à combien, là? Là, on a rapporté à 1,10 m. Ouais. Donc. Ça a bien remué dans le sol. Ça a beaucoup remué, hein. Les vers de terre sont complètement blancs. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est pas des milieux où ils sont très heureux. Hein. Voilà. Ben, on dit que c'est très intoxiqué quand les vers sont complètement blancs. C'est du mauvais côté. Non, ça c'est un épigé, ça. Ça c'est de la lobophora. Et puis, en fait, on voit pas de galerie de l'endroit. Regardez, on va juste sous-peser ça, c'est quand même important. Ah là, il y a une densité, là. Et on va prendre... Vous avez vu la densité du sol, c'est du caillou. Alors que là, si on prend à peu près la même quantité, ça fait pas du tout pareil. Là, c'est vraiment de la pierre. Oui, là, ça fait presque de la pierre. C'est vraiment massif. Bon, ils ne vous ont pas laissé les sols les plus riches de la région. Des nodules dans l'argile. Qu'est-ce que vous appelez nodule? Nodule, c'est la précipitation du fer et du manganèse. Nodule ferro-manganique. C'est celle qui est enfouie. Puis je vais te mettre celle de surface. C'est quoi que vous mettez? Non, non, non. Là, on travaille les peroxydes. On copie le travail des microbes sur la matière organique. Non, ça s'en est pas. Ça s'en est pas, mais là, ça en était plein. Hein. Regarde, ça réagit un tout petit peu en surface. Là. C'est une matière organique complètement bloquée. Quoi. Donc ça, c'est ce qu'a enfoui, ouais, elle réagit plus du tout. Réagit plus, la durée de la réaction, c'est la quantité de matière organique, et la taille des bulles, c'est sa capacité à se faire attaquer par les microbes. Bon, là, elle réagit quasiment pas, donc on ne peut pas compter sur cette matière organique pour nourrir les plantes. Et il n'y en a pas beaucoup, en plus, normalement, quand bah, on ici, a... Ici, là où c'est noir, il y en a beaucoup, mais... Oui, non, mais rapport à ça, je sais pas où, c'est un mélange de sable, mais si vous touchez celui-là, vous allez voir qu'il n'y a pas ce côté collant. Donc là, on n'est pas du tout sur le même sol, là. Oui, oui, là, c'est vraiment du sable. Vous voyez, il y a une vraie différence, là. C'est la partie la plus dure, et c'est toute la zone qui est avec du sable et de l'argile. Et quand on la défait, on sent que c'est collant. C'est des tests de terrain et le plus facile à extraire sur le terrain, c'est l'élément fer. Et on va regarder s'il est sous une forme. Alors j'ai mis de l'acide sulfurique et là j'utilise le ferricyanure de potassium, produit très dangereux. Alors là on extrait à l'acide sulfurique pur. Hein. Par contre on pourrait faire des tas de sable. Alors normalement, on devrait avoir une couleur rouge champ en surface, parce que c'est là où il y a toute l'activité biologique du sol et qu'on a les éléments. Ça, ces couleurs-là, on les a en général beaucoup plus en surface, quoi. Il n'y a rien d'organique dedans. Là, non, là, on est vraiment sur un tas de sable. Hein. Ouais, c'est...
Normalement, la roche donne naissance aux argiles, mais les sables comme ça, ils ne donnent pas naissance à grand-chose. Et du coup, on ne peut pas partir sur une sélection de plantes qui, justement, pousse dans le sable. Si, si, on peut prendre des... Mais vous serez quand même obligé en surface, enfin, si vous voulez faire de l'asperge. Ouais, voilà. Oui, l'asperge, ici, c'est idéal. Oui, des carottes, des patates. Par contre, pour les enfants, ce serait quand même bien d'avoir un peu d'arbre fruité. Il va falloir retirer ce truc-là et puis mettre un arbre fruité. Un meurtrier. Il y a deux framboisiers. Ah oui, on voit ça, framboisier. Ouais. Framboisier. Oui, framboisier, ça va très très vite. Là, mettez les blancs, puis vous mettez ça, bois rénal fragmenté. En fait, vous reconstituez la forme. Après, donc on a fait les tests, on a pris le verre. On peut imaginer aussi, c'est ne pas nier aux enfants de dire bon, bah, que ce sol a été extrêmement perturbé, et puis travailler avec une zone, avec des plantes restructurantes et tout, et de montrer en peu de temps, parce que quand on travaille avec des composts, et qu'en fait, on peut remettre un sol debout. Parce que là, pour l'instant, il n'y a quand même pas grand-chose qui pousse. Hein. Je veux dire, un sol à l'abandon comme ça, normalement, on devrait avoir une biodiversité naturelle qui se crée, et elle ne se crée pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt que c'est un rapport de jeu et de découverte. D'accord. Parce que les tout petits, ils adorent avoir des grandes herbes fleuries, puis circuler. Il y a un côté magique, il y a un côté un peu jungle. Comme ça, ils sont au milieu des fleurs. Donc, au milieu des fleurs, ils sont à la hauteur des coccinelles, ils sont à la hauteur du. Parce qu'ils n'ont pas le droit de toucher à la terre. Non, mais au contraire, moi, je suis ici pour qu'ils aient le droit de le faire. Et qu'on comprenne que c'est nécessaire. Mais au contraire, moi, c'est un rapport. C'est des enfants qui ont 3 ans. Moins de 3 ans. Moins de 3 ans. Voilà. Donc c'est plus justement le rapport de rêverie, de sensualité par rapport à un environnement. Je vais aborder le jardin comme quelque chose qui a un rapport d'émerveillement. Donc un rapport essentiellement sensible, sensuel.